Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval. Un petit village qui accueille déjà 317 habitants, c'est plus que certains villages de France. Déjà pas si mal en vrai. Hein. Voyons, voyons, voyons. Où est-ce qu'on en est avec le monastère? Ah oui, il fallait accueillir quelques villageois. Ok, il manque plus que deux moines. On accueille tout ce qu'il faut en villageois. Par contre, en produit, attends, production là de baies. Je suis en train de me dire, mais ça va être énorme là, la production de baies, non? Je sais pas, j'ai 8 cueilleurs. Oui, pour les herbes, hein, ça va être pas mal. On verra. On verra, on verra. J'avais un armurier. Oui. Et je crois qu'il fallait que je fasse. Non, c'est pas des tonneaux, c'est la bière. On avait dit qu'on s'occuperait de la bière. Ça y est, ça me revient. Petite binouze. Les gars, bientôt on aura de la binouze là. Ça vous tente? Là on a la taverne qui est en déj de bière. Et on a ça à faire là, ça va être. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut 1100 et des 1102. C'est pas donné. Un émissaire, ok, une audience, dis-moi tout. Une route commerciale providentielle. L'adresse d'un monastère voisin. Oula, l'adresse. Oh, c'est le matin, les mecs, m'en voulaient pas. L'abbesse d'un monastère voisin a entendu parler de votre route commerciale rentable vers Northbury. Elle pense que votre monastère et les siens bénéficieraient d'échanges commerciaux mutuels et aimerait savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Fiche un peu en vrai, hein. Je prends ça, mais je m'en fiche un peu. Parce que des outils, je vais plus en acheter normalement maintenant. Les visiteurs ravis. Pénurie de divertissement. Ah oui, mais c'est la taverne. Il n'y a plus de bière à la taverne, c'est juste ça. Là. Une fois que ce sera construit, là, c'est. Ça ira mieux, là. Là, tout le monde attend la brasserie avec impatience. Pas d'accès à marchandises. Comment ça? Objet visuel peut-être. Attendez, on a des priorités les mecs. Priorité à la brasserie déjà. Tiens, je vais essayer celui-là. Hop, on envoie. On envoie. Et on envoie. Alors, un nouveau récit peut-être entendu. Ville endettée. Bon. Un silence gênant s'installe dans la grande salle. Alors qu'un de vos villageois vous demande des pièces que vous n'avez pas. Vos profits n'ont pas été à la hauteur de vos dépenses, asséchant votre trésorerie. Maintenant, vous devez l'argent à votre peuple.
Pour une fois que je suis stable, pour une fois que je suis stable au niveau thune, on vient m'embêter. C'est quand même fou ça. J'ai été mauvais pendant. Enfin, j'ai été mauvais. Hein. Les finances ont été mauvaises pendant genre 3-4 épisodes. On m'a rien dit. Et une fois qu'ils sont bons, on vient me dire ouais, c'est pas bon. Pourquoi pas? C'est moi où la brasserie, elle est terminée. Oui, un brasseur. Félicitations. Ah, il faudrait un puits à côté. Histoire de ne pas avoir à aller chercher de l'eau à l'opposé, où je sais pas trop où là. Mettre un puits ici. Brasserie de B, quoi? Il manque un brasseur. Ah ouais? Bon, bah je vais le... Attends, il serait pas... Quand j'ai embauché le brasseur ici, c'est aller chercher un brasseur dans de la taverne. Ok. Bon, au moins, il doit être déjà à un bon niveau. Il doit. Oh non, même pas. Je suppose que ça a foutu. C'est bizarre ça. Charbonnier. Ah oui, effectivement, je l'avais oublié celui-là. On n'a rien vu. Voyons, on va transférer villageois homme. Il manque deux moines. J'en ai pas assez. Bon bah il a découvert du quartz. Ah c'est marrant, c'est des dures sources de quartz, elles sont au même endroit. De gisement. Ah, c'est les plus proches en plus. Ce sont les plus proches, sympa. C'est bientôt la fin de la poire. Oh purée. C'est bientôt la fin de la foire. Oh la vache. Bonus de 25%. Ok. Parfait. Et il me faut 3 citoyens pour des tonneliers. Mais les tonneliers, ça sert à quoi de faire des tonneaux en vrai? Parce que y a pas de tonneau à bière, y a pas de fût de bière, y a rien, je comprends pas, c'est bizarre. Produit un repas à taverne. Et d'un sanglier et d'un fromage. Peut-être pas mal ça. Il y a le comptoir de service. Qu'est-ce que... Tiens, on va faire une petite cuisine rustique. Ça fait quoi ça? Taille de la pièce plus 4. Allez, on va faire une petite cuisine rustique là. Et on y recrutera un cuisinier. Ok, pas mal. Oh, ils ont ramené de la bière. Ah, boire, donne-moi plus qu'il m'en faut. Je vais faire un campement de bûcheron ici, juste à côté, là, comme ça j'aurai du bois pas loin, de l'extraction de bois pas loin. Et je supprimerai. J'en avais pas un dans le tas là. Ouais, je supprimerai celui-là. Il bifurque. Celui-là est trop près du village.
donner des petits malus, c'est pas cool. Ouais, il y a un petit malus là de zone. Ah, le poisson, bon. J'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai un autre là. La grande splendeur, clergé d'un de vos monuments, a inspiré certains de vos villages où elle souhaite construire un chef-d'œuvre de la croix incrustée de gemmes afin d'honorer cette occasion. Effet bonus, vous allez gagner de l'influence par semaine. Conditions de construction entourée de forêt. Il faut que je foute ça dans une forêt là. Donc faut que je fasse une grosse croix entourée de forêt quoi, super. Non mais dis pas que j'ai accueilli que des femmes là sur les 4 derniers. C'est fou. Faut que je fasse un truc paumé en plein milieu de nulle part, entouré de forêt quoi. On va le mettre là, hein. J'espère que ça soit pas trop loin. Hein. Genre là, trop loin. Bah super. Donc faut que ce soit affilié à un bâtiment et entouré de forêt. Bah ça va pas être simple tout ça. Hein. À mon avis, on va devoir s'y reprendre à plusieurs. Plusieurs fois. Ok. J'en sais rien moi. Comme ça. Non, c'est moche. Moyen de faire tourner le bordel là? Ouais, si, voilà. On va le mettre bien quand même, on va faire en sorte que ce soit pas trop moche. Comme ça. Ah ouais, nécessite 50 gemmes! Ah bah très bien! 50 d'or, 50 gemmes. Bim, 50 d'or, ça va, le 50 gemmes. Bon, bah allez, 50 gemmes. En espérant que ça soit assez entouré de forêt à son goût. Ah la vache. 50 d'or. Ah bah, fit coco. Hop, ça on détruit. Et les bûcherons devraient... ouais, voilà. Ils vont arriver là-bas. De nouveaux arrivants. Peut-être, alors peut-être. Je peux pas transférer d'hommes. Me dire que dans les nouveaux. Non, il y a vraiment. Il faut que je fasse un nouveau comptoir de. Oh. C'est pas gentil ça. Comptoir de service, allez, balcon raffiné. Alors ça c'est original. Alors ça c'est bien original je trouve. Allez, tu sais quoi? Là, je fous une petite porte comme ça sur le côté là. Oui, allez.
C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Les imprévus font partie de la vie. Tavernier. Oui, mais non, c'est pas parce que c'est pas encore. Ce n'est pas encore construit. Tiens, d'ailleurs. Vu que je vais avoir besoin d'un roturier, on va le promouvoir. Peut-être que je refasse aussi un. Ah non, même pas. Ah si, on peut changer les toits et tout là. Attendez, on va modifier un peu ça. Ah. On va bien mettre un joli toit quoi. Parce que le toit là, il est pas terrible. C'est vrai que le donjon il est vraiment pas terrible. Hein. À l'époque il était bien, il était beau à l'époque, hein, mais bon là on était fait un peu à l'arrache quoi. Bon, j'aime bien son emplacement. On dit voir le nouvel arrivant, est-ce que tu es un homme? Tu es un homme, ok très bien. Donc, on sait au moins qu'on a un homme à envoyer là-bas, non? Donc moine. Ça n'a pas marché. N'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Quand ils sont remplis. Forêt, mais il y a des forêts de partout. Là, je peux pas faire mieux, les gars. C'est beaucoup trop proche, sinon. Alors ça va être original ce que je vais faire. Enfin, encore forêt. Merde. Oh là là. On va le foutre là. Construire. Terrible. Terrible. Et on va dire reboisement. Je veux que je me reboise partout là. Je veux que ça soit boisé comme ça n'a jamais été boisé. On veut même reboiser la mer. Peut-être pas déconner quand même. Par contre, je comprends pas l'histoire de. Je peux pas transférer d'homme. C'est pas bien grave. Pour l'instant, c'est pas bien grave. J'avais pas du poisson là dans le coin. Oui. Je vais augmenter. Je vais faire quelques cabanes de pêche parce que je vois que le poisson. De plus en plus de mal à être produit récemment. Donc je vais en rajouter deux. Ah yes. On a renouveau des problèmes de thunes. Ah merde. Ah c'est con ça. Hop, c'est l'inverse. Voilà. Deux cabanes de pêcheurs. Objets visuels. Vivement que j'en fasse de ça. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que je peux remplacer? Si j'ai pas d'objets visuels, par quoi je peux remplacer les objets visuels? C'est du divertissement, c'est quoi ça? Vêtements bougies, ouais, c'est pas terrible. J'ai pas de bougies, les objets visuels, j'en fais pas encore. Alors, quoique, je peux. Attends. J'ai peut-être. En vrai, j'ai peut-être ce qu'il faut pour le faire. Je vais voir. Fonderie. Forgeron. Attends. On est outil. Tonneau. Verre.
quoi ça? Boucherie. C'est ça. Et de trois planches et un fer, trois planches. Ah ouais. Ah ça ouais, c'est beaucoup trop être beaucoup trois planches. Hein. J'aurais besoin d'un charpentier là. Une scierie. Qu'en faut aussi. Ah zut. Je l'ai loupé. Je voulais y aller direct, mais loupé. Voyons voir. Peuplier, tu vas garder du pain, j'en veux pas. Et ça. Même pourquoi tu peux plier, y a pas de peuplier là. Regardez cela. Hop, toi tu vas travailler très loin. Ton habitation, désolé. Toujours à dèche niveau charbon. Pourtant j'ai des charbonniers, non? Ils produisent, hein? Bah ouais. Je sais pas. J'ai une cabane. Hop, en bouche du pêcheur. Comptoir de service. Parfait. Ressources assignées. C'était pas ça, je me suis trompé. Je me suis trompé. Et en effet, je me suis trompé. Hop, ça, détruire ça. Ah, ok, bon, c'est pas. Voyons donc cuisine de taverne. Ça m'embête ça. Ça m'embête. Je peux pas supprimer le petit là? La cuisine rustique, voilà. Et ça. Voilà. Il te faut une porte. Sérieux? Petite porte là. Voilà, une petite porte là, ça va te. Hop, pas besoin de plus. On vient d'aimer ma bande et un émissaire demande une audience. Pierre Poli. J'en ai pas assez. Maintenant, on produit notre propre bière. Ouais, les gars, on a de la bière, on a de la binouze à gogo. Tout ce qu'il faut. À boire, tabernacle. Ok, c'est en train de se faire. Ça devrait être bon. Oui. On ne peut pas économiser assez pour ça. C'est terrible. Bon, le reboisement, ça en est d'où là? Ça plante pas des masses. Hein. Tu m'étonnes en même temps, tu dirais que t'es un peu loin. Eh, ça avance vite, ça envoie les sculptures. Hein. On est déjà à deux. Moitié qui est faite. Je suis agréablement surpris. Là, pour mettre leur croix, ils sont chauds les mecs. Hein.
Apparemment, il y a un petit manque de forêt aux alentours, mais bon, on va faire ce qu'on va pouvoir, quoi. En même temps, il faut que ça soit lié à un bâtiment et entouré de forêt. Je sais même pas ce que ça va donner comme bonus. Attends, est-ce que déjà je peux transférer? Non, toujours pas. Super. Gagner de l'influence, plus 100 par semaine, ouais. Ouais, si, on va tout faire. Hein. 72%, ok, 72. Ils sont un peu regroupés là. Aucune ressource à extraire. Bah si. Ouvre les yeux. Enfin voilà, c'est tout. Pas grand chose d'autre à dire. Hein. C'est-à-dire que c'était toute une forêt ici avant, quoi. Non, c'est ça que je veux. Voilà. Moyenne, emploi faible. Ah oui. J'ai du stock de planches ou pas? Parce que si j'ai pas de stock de planches. Non, j'ai pas de stock de planches, mais on va rejeter. Sinon, ça fait les chercher loin les planches. Ou les stocker loin au choix. Cuisine de taverne construite. Déjà, on va embaucher lui. Du sanglier. Du fromage et un repas. Un bon repas. Ça fait un bon repas surtout. Du sanglier, du fromage, ça fait un bon repas. Ça manque un peu de légumes tout ça. Hein. Pas ouf l'équilibre. Hein. Les brochettes bœuf fromage là. Je peux te dire que ça va te taper sur le bide le soir. Hein. J'ai pas qu'un peu. Hein. Oh oui! Hospice. Non, je veux dire, mais non. Je m'en fous. Affectoire. Mmh. Eh bien, c'est sûr que ça soit une pour le moment, tu vois, ok. Pénalité sur le rang d'utilité entre clergé et tiers d'état diminue. Entretien des bâtiments du verger est réduit de 10%. Ok, bon, on va faire un hospice. Un hospice, un réfectoire. Sois le bienvenu, j'ai failli te louper. L'intendant de l'évêque a entendu parler de votre intérêt pour la construction d'un hospice. Un tel bâtiment attirera dans votre village des visiteurs de toutes sortes qui pourraient donner des ressources si leur séjour était agréable. Ah ouais? L'intendant vous fera l'honneur d'être le premier à le visiter si vous le souhaitez. Ouais. Améliorer votre monastère avec hospice. Ouais, ouf. Super la mission. Merde, le monastère il est déjà assez grand là. Oh, putain. Comment, où est-ce que je vais le... L'hospice. L'hospice, hein, moi je propose que ce soit là, l'hospice, non? Avec une porte super badass. Construire. Construire. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Bah non, même pas, c'est les moines. Ah si, c'est les moines. Ah bah c'est peut-être pour ça que je pouvais pas en foutre plus.
Ah, ok. 71, ça a baissé. Il y a moins de forêt? Bah, comment ça, il y a moins de forêt d'un coup? J'arrête pas d'en planter, il y en a moins d'arbres, c'est quoi ce bordel? J'ai du mal. Je ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Il va falloir les planter plus serrés que ça, les arbres. Ils sont tellement efficaces ici que... Mais ils sont niveau... Oh. Alors, est-ce que ça prépare du bon repas? Non, ça manque de fromage. Pas ouf tout ça. Ici, on a notre petit bois là pour faire du charbon, etc. C'est parfait. Attends, mec, c'est proche de votre village. Oui, qu'est-ce que tu me veux encore? Acheter du pain, des herbes et des baies. On va l'aider. Voilà, on se fera mieux voir par le clergé. Il nous aime pas trop. On va débloquer ces petits trucs là, là. Ça mange pas de pain. Allez. Alors moi je vous propose de vous laisser. Bah non, on va se même pas, je vous propose, c'est on va se laisser. Le tyran. On va se laisser ici aujourd'hui pour cet épisode. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Alors normalement là on est quoi? On est fin décembre si tout va bien. Je tourne ça, on est mi-septembre. Donc bonne fête de fin d'année, je suppose. Bonne... Ouais, à peu près, ça doit être à peu près ça. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. C'était Tchub.